de connaître Dieu, je vivais ma vie comme je le voulais. Il arrivait que je sois dans la brinque, ce qu'on appelle la brinque. Ce n'est pas la petite brinque, la vraie brinque, ce qu'on appelle vraiment brinque. C'est-à-dire se retrouver dans les quartiers bizarres où il fallait boire des quantités incontrôlables de boissons. Je peux vous dire que moi, qui vous parle, je pouvais prendre une bouteille de whisky à moi seul en 24 heures. Une bouteille. Je dis bien une bouteille, c'est le litre de whisky. Quand je commence à le boire vendredi à 18 heures, samedi à 15 heures, la bouteille est finie. Tout seul. Je pouvais me retrouver hors de Libreville sans que ma famille ne sache, avec des amis, avec des collègues, pour passer du bon temps. J'ai commencé à travailler très jeune, mais je n'arrivais pas à avancer. Il y avait des blocages. À chaque fois qu'on me faisait des promesses d'augmentation de salaire, de catégorie, mais cela ne se réalisait pas. Et je vivais comme tout chrétien, que je puis qualifier de sous-marin. Parce qu'à l'église, on a une statue qu'on montre aux autres chrétiens. Mais en attendant, quand on n'est pas dans le cadre chrétien, on continue à faire certaines choses. Mais je peux vous dire que donner sa vie à Dieu, donner sa vie de manière franche, de manière sincère, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire sur la terre. J'ai fait une expérience, un déclic, qui s'est passé en septembre dernier, en septembre 2011. Je revenais d'un voyage de mission, j'étais dans l'avion et le Seigneur m'a parlé. Ce qui fait que depuis ce jour, j'ai été franc avec Dieu. Mais c'était au mois de septembre. Imaginez-vous qu'au mois de novembre, la promotion que j'attendais depuis 15 ans, j'étais chef de service. Chaque année, on me disait, Monsieur Bolivie, on a vu ton nom dans la liste des promis. En janvier de l'année suivante, j'ai demandé, mais vous m'avez dit qu'il n'y avait rien. Alors donc, en moins de 2 mois, ma fidélité a payé. Alors le chef de service, c'est devenu chef de division. Ça fait une promotion. Et ça fait une preuve que s'attacher à Dieu, être vrai avec Dieu, il n'y a rien de meilleur. Être chrétien, c'est vrai, mais faire le sous-marin, c'est très dangereux. Il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas sincères avec Dieu et qui par la suite disent qu'ils ne reçoivent pas de bénédiction. Mais je te dis que cela provient de toi-même. Soyez bénis. Alléluia. Les gens ont mangé avant toi. People have eaten before you. Et ils sont morts. And they have done. C'est pourquoi nous voulons manger. That's why we would like to eat. La nourriture qui nous laisse les permettre. The food that gives us eternity. Celle qui nous permet à garder la vie éternelle. That will give us eternal life. Trois choses. Three things. Trois choses. Three things. Trois besoins prioritaires. Three first needs. Le premier, the first one, the first thing is, tout homme, all man, veut vivre, wants to live. Qui que vous soyez, no matter who you are, que ce soit ici, it may be here, que ce soit à la présidence, maybe at the presidency, que ce soit, je ne sais pas dans quelle administration, I don't know whatever administration, tout homme veut vivre, all man wants to live. C'est-à-dire, avoir le droit d'exister. Having the right to exist. Tout homme. All men. Tout homme qui a goûté à la vie. All men who has tasted love. Veut
droit d'exister. Want to have the right to exist. Deuxième chose. Second thing. Tout homme. All men. Veut. Want. Jouir de la vie. To be rejoicing about life. C'est-à-dire. Meaning. Profiter au maximum de la vie. Profit in the maximum of life. Tout homme. All men. Veut avoir des bénéfices dans sa vie. Want to have benefits in his life. Tout homme. All men. Voudrait voir sa vie être belle. Would like to see his life wonderful. Avancer. Moving forward. Progresser. Progressing. Prospérer. Being prosperous. Je dis tout homme. I say all men. Tout homme. All men. Tout homme. All men. Voudrait avoir une vie en bonne santé. We would like to have a good life and good health. Tout homme veut jouir de la vie. All men would like to appreciate life. Et la troisième chose. And the third thing. All men veut garder la vie. Would like to keep life. Trois choses. Three things. Avoir le droit de vivre. Having the right to live. Bénéficier de la vie. Benefiting life. Profiter de sa vie. Profiting your life. Continuer à vivre. Carry on living. Trois choses. Three things. Si vous êtes d'accord avec moi, if you agree with me, faites-moi un signe là. Make a sign with your hand. Je ne veux pas les spirituels et les dieux. Don't play spiritual man. Ça n'a rien à voir avec les dieux. It has nothing to deal with the church. C'est universel. It's universal. Tout homme. All men. Veut avoir le droit de vivre. Want to have the right to live. Vivre tranquillement. Live quietly. Sans être perturbé. Without being disturbed. Sans avoir besoin de fuir dans notre vie. Without needing to flee away from time. Tout homme. If you agree with me, look it up. Raise your hand. Les spécialistes en médecine, les docteurs, eux-mêmes, avec toutes
connaissant des ordonnances, with all the knowledge, eux-mêmes, themselves, perdent la vie. They lose life. Lorsque nous regardons les hautes autorités, when we look to our rulers, les ministres de la République, the ministers of the Republic, lorsque nous regardons la famille présidentielle, when we look at the family of the president, nous pouvons avoir l'impression que les regardons, it seems that looking to them, voyons leur plan de vie, looking at great life, on peut croire que eux ont réussi à accomplir le troisième de ce point de l'homme. We can believe that they will succeed to have the third thing of the man. C'est-à-dire garder la vie. Meaning keeping life. Mais avec un grand surprise. With our big surprise. Même dans la famille présidentielle, even in the presidential family, personne, no one, ne réussit, can succeed, à garder, to keep la vie, life. Ils ont le droit de vivre, they have the right to live, ils jouissent la vie, they enjoy life, mais tous, but all of them, président, president, minister, medicine, ministre, minister, docteur, doctor, et toutes ces personnes, and all these persons, perdent la vie, they lose their life. Pour moi, for me, Jésus n'est pas une option parmi tant d'autres. Jesus is not an option among many. Pour moi, Jésus, for me, Jesus, ce n'est pas une affaire d'église. It's not a thing of a church. Je pense que le message de l'église passe très mal. I believe the message of the church is going so bad. Les gens pensent qu'ils ont le droit de choisir. People believe that they have the right to entre Jésus between Jesus et Mahomet. Les gens pensent, people think, qu'ils ont le droit de choisir, that they have the right to entre Jésus, between Jesus, et puis les rites africains, and African rock, le Jemel, Jemel, le Mibiri, Mibiri, le Bouti, Bouti. Les gens pensent, people think, qu'ils ont le droit de choisir, that they have the right to entre Jésus, between Jesus, et avant le droit, and the big rock, et la formation de l'église. It's amazing. Je pense, I think, que le message de l'église, that the message of the church est mal passé. Went so bad. Le message de l'église est mal passé. The message of the church went bad. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, Jésus, Jesus, ce n'est pas une religion. It's not a religion. Jésus, Jesus, ce n'est pas une église. It's not a church. Les églises, churches, sont des conséquences. Of consequences. Des incidents. Of consequences. De ce que Jésus fait dans la vie. Jesus does and people mais die. Jésus n'est pas une église. But Jesus is not church. Le catholicisme, Catholicism, ce n'est pas Jésus. It's not Jesus. Le protestantisme, Protestantism, ce n'est pas Jésus. It's not Jesus. L'islam, it's le bouddhisme, Buddhism, et toutes les religions qu'on peut imaginer. All religions we can find. Jésus, Jesus, ce n'est pas une dénomination. It's not a denomination. Bible. This is what the Bible says. Parce que Jésus, because Jesus, Jésus,
facile. Parce que nous sommes des êtres humains. Because we're human beings. Et il arrive pour nous de présenter Jésus. And sometimes I present Jesus. Sous une autre forme. We can introduce Jesus in another shape. Jésus. Jesus. Ce n'est pas une église. It's not a church. Jésus. Jesus. C'est celui qui nous guérit sans rien nous demander. He's the one who heals us without asking nothing. Jésus. He gives us a job. Sans rien nous prendre. Without taking nothing. Il nous fait avoir des enfants. He gives us children. Et il protège nos enfants. And he protects our children. Sans rien nous arracher. Without taking something out. Jésus. Jesus. C'est notre Seigneur. He's our Lord. C'est notre Dieu. He's our God. Jésus est le Dieu du Gabon. Jesus is the God of the Gabon. Pourquoi le Gabon? That's why the Gabon. Vous pouvez être riche. You may be rich. Vous pouvez avoir de l'argent. Money. Vous pouvez être la famille présidentielle. You may be coming from the presidential. Lorsque Jésus dit que votre temps est terminé, when Jesus said that the time has come, votre temps est terminé. The time has come. Je vais terminer. I will finish. Laissez-moi m'écrire là. Bring my keys. Je demande à tous ceux qui ont les clés de faire sortir vos propres clés. All day my keys carry. Lèvez-moi vos propres clés comme ça, je vous en prie. Just carry. Si vous avez les clés de votre voiture, les clés de votre maison, les clés de votre chambre, les clés de je ne sais pas où, les clés de bar, les clés de la prison, les clés de je ne sais pas quoi, lèvez vos propres clés comme ça. When we die, to get out of death and go to heaven, the Bible says that you must have the keys. The keys. Do you have these keys? No. You have your choice. Do you have the keys that takes out from death? That's why most of you go to heaven. Your life yet. Tu es en danger. You are in danger. Si tu meurs
die without Jesus. C'est que tu meurs sans les clés. Is that you die without the keys? Est-ce que tu sais pourquoi les présidents milliardaires meurent et ne reviennent pas? Do you know why rich people die and don't come back? C'est parce qu'ils n'ont pas les clés. It's because they don't have the keys. Pourquoi les grands philosophes de ce monde ne sont jamais revenus? Why the philosophers of this world have never raised? Parce qu'ils n'ont pas les clés. It's because they don't have the keys. Si tu meurs sans Jésus, if you die without Jesus, tu es foutu. It's over for you. Si tu veux mourir en étant sûr, if you want to die by being sure, que tu quitteras la mort jusqu'à la vie, that you will live death from eternal life. Je vais te demander de te lever à ta place. Let me ask you to stand at your place. Afin de faire la paix avec Jésus. To make peace with Jesus. Jésus est le seul qui a les clés. Jesus is the only one who has ever come here in the front. Même si tu es au fond, descends. Even if you're in the back, come down. Si tu veux recevoir Jésus, if you want to receive Jesus, n'aie pas honte. Don't be ashamed. Tu ne peux pas avoir honte des clés. You cannot be ashamed of the keys. Viens, avance, ma soeur. Come, move forward, my soeur. Avance. Move forward. Avance. Come. Bible says, vous serez revêtus de robes blanches. You'll be dressed with a white garment. Et vous serez une couronne de vie. And you shall have a crown. Et vous vivrez éternellement sans jamais mourir. And you shall live eternally without dying. La Bible dit, the Bible says, si vous acceptez dans votre cœur maintenant, if you accept him now in your heart, que Jésus est mort à cause de vos péchés, that Jesus has died because of your sins, on l'a sacrifié à la croix à cause de vos péchés. He was sacrificed on the cross because of your sins. Si vous croyez en cela, if you believe dans that, votre cœur, in your heart, qu'il est mort à cause de mes péchés, that he has died because of my sins, il est mort à cause de mon vol, he has died because of my sins, ma colère, my anger, mon mensonge, my love, ma tromperie, my deceit, mon homosexualité. Jésus est mort à cause de mes fautes. Jesus has died because of my fault. Parce que je suis un pécheur. Because I'm a sinner. Si vous croyez en cela, if you believe in that, et vous croyez que Dieu l'a ressuscité, and you believe that God has raised, et qu'il vit en ce moment, and he lives now, la Bible dit, the Bible says, vous êtes sauvés. You are saved. Si vous êtes malade, if you're sick, la maladie va commencer à vous quitter au nom de Jésus. Illness will leave you now in the name of Jesus. Et s'il y a un esprit qui vous embête et embête votre famille depuis longtemps, and if there's a spirit disturbing you, lorsque vous allez croire en Jésus, la force de Dieu, when you will believe in Jesus, the strength of God, va visiter votre esprit et votre corps. Will visit your spirit and your body. Il y a des changements qui vont se faire au fur et à mesure. Changes will happen time to time. Et vous viendrez témoigner comme ces hommes ont témoigné. You will come and testify as this man. Ils étaient des buveurs. They were drinkers. Leur vie était gaspillée. Their life was wasted. Mais aujourd'hui, but today, ils sont complètement transformés. They are fully transformed. À cause de Jésus. Because of Jesus. Moi aussi, Jésus m'a transformé. Me as well, Jesus has transformed me. J'avais l'âge de 15 ans. I was just 15 years old. Quand Jésus m'a touché. When Jesus has touched me. Depuis que je suis avec Jésus, since I'm with Jesus, oui, il m'arrive d'avoir des problèmes. Sometimes I can have trouble. Mais dans chaque circonstance, but in each circumstance, la main de Jésus m'aide. The hand of Jesus is with me. Jésus m'a délivré de beaucoup de choses. Jesus has delivered me from many things. Aujourd'hui encore, je marche avec lui. Today again, I still walk with Jesus. Je pense que donner ma vie à Jésus, I think that giving your life to Jesus, c'est la plus belle expérience que j'ai eu à faire durant toute ma vie. It's the most wonderful experience that I've done in my life. Je vous assure.
I reassure you. Vis avec Jésus. Living with Jesus. C'est passionnant et c'est merveilleux. It's full of passion. It's wonderful. Alors ouvrez votre cœur maintenant. So now open your heart. Et nous allons l'inviter à rentrer dans votre cœur. And we will invite him to enter in your heart. Alléluia. Amen. Vous le voulez? Do you want it? Alors mettez votre main sur votre cœur. Put your hand on your heart. Nous allons inviter Jésus. We will invite Jesus. Non pas seulement qu'il touche votre conscience. Not only that he will touch your heart. Mais en fait qu'il touche votre cœur. But we want him to touch your heart. Le centre de vos décisions. The center of your decision. Le centre de votre volonté. The center of your will. Que Jésus touche votre cœur. That Jesus touches your heart. Nous allons l'inviter. We will invite him. Parce qu'il entend la voix de ceux qui crient à lui. Because he hears the voice of people. Nous allons demander à Jésus de rentrer dans nos cœurs. We will ask Jesus to enter in your heart. Et de nos vies. And to knock over your life. Alors tous ceux qui sont assis. So all they were sitting. Levez vos mains vers ici. Raise your hand. Levez toutes vos mains vers ici. Raise your hand toward here. Pour demander l'assistance, la force de l'Esprit de Dieu. The assistance of the strength of the Holy Spirit. Afin que le Saint-Esprit maintenant. So that the Holy Ghost now. Visite. Qu'il le visite. Let visit. Toutes ces personnes ici maintenant. All these persons here. Et même celles qui sont restées assises. And they were sitting. Demandons à l'Esprit de Dieu. Let's ask to the Spirit of God. Avec la foi, s'il vous plaît. With faith, please. De visiter toute la salle. To visit all the rooms. Et de visiter tous ceux qui sont ici. And visit all they will do. De la puissance de Dieu. The power of God. La puissance de Dieu. Let the power of God. La puissance de Dieu. The power of God. La puissance de Dieu. The power of God. Souffle maintenant. Blow now. Souffle. Blow. If you're here standing, si vous êtes assis là-bas, if you're sitting there, répétez ces paroles avec moi. Repeat these words after me. Quel que soit l'endroit où vous êtes, no matter where you are, répétez ces paroles avec moi. Repeat these words with de manière sincère, in a sincere way, dans une attitude de prière, in a prayer attitude. Dites avec moi, Jésus, de tout votre cœur, même si vous êtes assis, dites. Jésus, Jésus Fils de Dieu, j'ai besoin de toi. Avec votre cœur, j'ai besoin de toi. Jésus, je sais que tu es mort et que tu es revenu à la vie. Je sais que tu es vivant. Et que c'est toi qui peux transformer ma vie. C'est pourquoi je t'invite avec toute ta puissance. Je t'invite à me visiter maintenant. Dites à Jésus, visite-moi maintenant. Je reconnais que tu me sauves de tous mes péchés. Visite-moi maintenant. Délivre-moi par ton Esprit Saint. Brise la puissance du diable dans ma vie, dans mon corps et dans mes pensées. Jésus, Fils de Dieu, fais de moi ton enfant. Je persiste.
espérons que vous avez été bénis par ce message de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Mbazabois. Vous pouvez permettre à d'autres personnes de jouir de cet enseignement en devenant partenaire par vos dons, dîmes et offrandes au numéro de compte inscrit. Que Dieu vous bénisse, vous qui permettez à l'Évangile de se répandre par votre participation financière.